Psaume 118, 8 et 9. Quelqu'un veut bien nous le lire? Je lis au nom de Jésus. Mieux vaut se confier en Yahweh que de se confier en l'homme. Mieux vaut se confier en Yahweh que de se reposer sur les grands d'entre les peuples. Amen. Amen. Alors ce matin, je suis en train de méditer ce passage et le Seigneur m'a vraiment beaucoup parlé là-dessus. Et vous savez, en tant qu'humain, en tant qu'être physique avec des émotions, des sentiments, avec une âme qui peut être facilement blessée, nous avons besoin souvent de nous confier, de nous, n'est-ce pas, ouvrir aux autres. Et souvent, on se confie à des mauvaises personnes. On va s'ouvrir à des mauvaises personnes qui vont prendre, n'est-ce pas, nos secrets, des choses qu'on leur a confiées pour les divulguer. Et comme vous le savez, nous sommes dans une génération où l'information circule très vite, avec les médias, les réseaux sociaux, tout ça. Et on a vraiment besoin de se confier plus au Seigneur qu'aux hommes. Je parlais avec une sœur tout à l'heure, elle me disait, si je m'ouvre à mes petits amis de l'époque, si je leur dis certaines choses, ils risquent d'aller sur le net et de tout balancer. Et effectivement, elle n'a pas tort. Et voilà notre génération. Beaucoup de gens ne savent plus à qui parler, à qui se confier. Une sœur est venue me voir il y a quelques jours, elle me disait, je sortais avec un jeune homme et il a pris mes images et il les a diffusées sur le net, sur Internet, et beaucoup de gens m'ont vu. Elle était, bien sûr, à l'époque, elle était inconvertie, elle était nue. Et ce jeune homme en a profité pour lui prendre des photos qu'il a diffusées, partagées, envoyées ici et là. Et toute sa cité, dans la cité, tout le monde disait, mais comment ça se fait? On t'a vu sur les réseaux, sur Facebook, tout ça, tu t'es nu. Vous voyez, c'est notre génération, là. On est dans une génération où beaucoup de gens ne savent plus vers qui se tourner. À qui parler? À qui faire confiance? Et vous avez vu tous ces scandales sur le net, des jeunes collégiens, lycéens qui se suicident tout simplement parce qu'ils se sont confiés à des personnes qui sont allées divulguer leurs secrets à d'autres. Et ces jeunes gens étaient tellement blessés et ils ont préféré mettre fin à leur vie. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. À qui se confier? Et vous savez, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes appelés à vivre en société. Nous avons besoin de nous exprimer. Regardez, si on vous laisse seul, dans toute la France, seul, toi en tant que jeune femme, jeune homme, mais seul, hein, sans parents, sans amis, si on retirait tout le monde de ce pays et qu'on vous laisse seul avec toute cette richesse, ces belles voitures, ces belles maisons, oui, la première semaine, tu vas être content, mais au bout de la deuxième semaine, tu finiras par mourir de solitude. Voilà. Parce que nous avons été créés, Dieu nous a créés pour avoir du vis-à-vis, pour parler aux autres, pour échanger. Dieu dit dans la Bible qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, Dieu l'a dit. Il n'est pas bon. Dieu a toujours raison. Il dit, je le ferai à l'homme, une aide semblable à lui. Donc nous avons besoin d'aide. Mais vers qui se tourner? C'est la question. Tu as été créé avec une bouche pour parler. Tu as été créé avec des oreilles pour entendre, pour
écouter. Donc, il y a des oreilles qui sont là pour t'écouter, écouter ta bouche. Mais pourquoi ta bouche? Parce que il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur rempli, n'est-ce pas, ne peut que s'exprimer par la bouche. Voilà. Regardez quelqu'un qui est rempli de joie. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se mettre à chanter, par exemple. Quelqu'un dont le cœur est rempli de blessures, de tristesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. Il va crier. Il va gémir. Freud, un Allemand, a observé l'homme. Il a compris, il a vu, il a réalisé que l'homme était un être doté d'une âme, ce côté sensible de l'homme, ce côté émotionnel de l'homme. Et Freud s'est dit, eh ben, je veux pouvoir soigner l'homme avec la psychanalyse. Eh bien, ça ne soigne pas vraiment. Vous avez vu le nombre de gens qui vont voir des psys, des psychiatres, pour s'exprimer, pour parler, pour se libérer de leurs souffrances. Et vous avez vu ces cercles d'amis, ces réunions organisées ici et là pour que des personnes touchées par des décès puissent s'exprimer. Voilà l'homme. Et que l'on soit chrétien ou pas, que l'on soit croyant ou athée, tout homme a besoin de se confier. Il y a des choses que vous ne pouvez pas garder pour vous. C'est impossible. Vous pouvez garder quelque chose que vous avez vécu, une blessure. Regardez une personne violée, par exemple. Elle va garder ça pendant quelques jours, quelques mois, peut-être. Mais à un moment donné, elle va finir par s'exprimer. Ça va finir par sortir. Et souvent, des violeurs vont dire à leurs victimes de ne pas s'exprimer, sinon, n'est-ce pas, ils vont les tuer, ils vont les achever. Mais à un moment donné, ces victimes finissent par s'exprimer. Parce que c'est vrai quand la cocotte minute est pleine, là, tout ça. Là. Voilà. Quand la marmite est pleine, elle finit par déborder. La coupe déborde. C'est ça. C'est ça l'homme. L'homme est comparé, selon la Bible, par la Bible. Dieu, dans la Bible, appelle l'homme le vase, un vase, qui peut être rempli de bien comme de quelque chose de mauvais, des choses mauvaises. Si tu es rempli des bonnes choses, des choses de Dieu, ben tu vas parler, tu vas t'exprimer, tu vas chanter, tu vas proclamer la parole, tu vas, n'est-ce pas, témoigner du Seigneur. Et si tu es rempli de problèmes, de péchés, tu finiras par parler. C'est obligé, obligé. J'ai vu des jeunes femmes être violées par des faux pasteurs. J'ai vu ces pasteurs leur dire, les menacer de malédiction. Si jamais elles se confient à quelqu'un, ces jeunes femmes se sont, n'est-ce pas, tuées pendant quelques mois, quelques années. Mais vous savez, la cocotte, le vase, là, quand il est rempli, là, il finit par déborder. Et un jour, tac, ses victimes se sont confiées. Voilà. Dieu dit dans la Bible, il n'y a rien de secret qui ne peut être connu. Bah oui, Dieu sait, il connaît l'homme. Il connaît. Même les secrets d'État, on finit par les mettre à jour, les divulguer. Des années après, on ne peut pas garder des choses. Il y a des choses, on ne peut pas les garder. Alors, il faut se confier, justement. Mais à qui? Ben oui. Je vois des jeunes femmes amoureuses qui se sont confiées aux hommes. Et quelques temps après, je les ai revues, ces jeunes femmes, me dire, je les ai revues et je les ai entendues me dire, ah non, moi, c'est fini. Ah non, non, je me suis vraiment ouverte à telle personne. Et elle a pris mes secrets, elle est allée les passer à d'autres, les diffuser à d'autres, les confier à d'autres. Alors moi, j'ai plus confiance. Qui n'a plus confiance en l'homme? Vous avez vu, nous sommes nombreux. Ah oui. Et alors, David, le roi, il a vécu la même chose que toi, que moi. C'est-à-dire la déception. David se confie aux gens. Une des personnes à qui David pouvait se confier, je pense, c'est le roi Saül.
voyez, le père de son meilleur ami. Et il s'est rendu compte, David, que Saül voulait le tuer. Tu vas te confier à quelqu'un, lui confier même tes défauts, tes failles, et la personne va en profiter pour te nuire. Ah oui. J'ai vu des gens, des frères et sœurs, des chrétiens ou des païens, hein, héberger des individus chez eux, leur faire confiance, se confier à eux. Et ils ont été déçus, blessés. L'homme est faillible. Ah oui. L'homme est un être très dangereux, je te dis. Quand les démons se sont rebellés, quand les anges qui ont suivi Satan se sont rebellés, nulle part dans les Écritures, il est écrit que Dieu a pleuré. Certainement, il a dû pleurer, il a souffert, certainement, parce qu'il les aimait. Ils sont devenus des démons. Mais quand l'homme a chuté, il est dit dans Genèse 6, Dieu va pleurer. Dieu était blessé. Son cœur saignait. Parce que l'homme est dangereux. L'homme peut faire mal même à Dieu. L'homme que nous sommes, l'homme que tu es. Vous savez, un démon qui vient t'attaquer, tu peux le chasser au nom de Jésus-Christ. Hein? Mais l'homme, là, il va t'approcher. Tu le chasses au nom de Jésus, il te regarde. Alléluia! L'homme, s'il veut te détruire, il va se déguiser. Il viendra te voir avec un sourire, des belles paroles. Mais il a un objectif, c'est toi. Combien de jeunes femmes ne pleurent-elles pas aujourd'hui parce qu'elles ont, n'est-ce pas, elles se sont données aux hommes? Elles leur ont donné leur virginité. Et ces hommes se sont moqués d'elles. Ils sont partis partout chanter. Voilà, celle-là, ben, je l'ai eue. J'ai pris sa virginité. Et la femme entend cela. Ah! Tu m'as fait ça. Moi qui me suis confié à toi. Je te fais confiance. Ah oui, l'homme est comme ça. L'homme. David va dire, mon père et ma mère m'abandonneront. Donc, quand il va écrire le psaume 118, David avait vécu même des grandes déceptions vis-à-vis de ses propres parents, au point de dire que ses parents l'avaient abandonné. C'est fort, hein? Donc, David, qui a écrit ce psaume 118 notamment, a eu des blessures de la part de son père, de sa mère, parce qu'il a écrit. Et il n'a pas seulement été déçu par ses parents, mais il a également été déçu par ses meilleurs amis. Parce qu'il va écrire, « Même toi qui mangeais mon pain, » dans Psaume 41, « Tu lèves le talon contre moi. » C'est terrible lorsqu'il a vécu cet homme. L'homme. Tu nourris quelqu'un, tu l'élèves, demain il te tue. Vous entendez hein, toutes les histoires qu'il y a, hein, aux infos. Tel enfant a tué son père, tel père, n'est-ce pas, a sequestré sa fille, sequestré pendant des années, 27 ans, comme en Autriche, et il a violé, il a fait faire des enfants. Voilà l'homme. L'homme est dangereux, l'homme. Vous avez vu, vous avez les histoires là, des inconnus, des gens qui prennent hein, des autostoppeurs, tout ça là, et ils se font violer. L'homme est comme ça. Comment vous pouvez comprendre, imaginer qu'un homme de plus de 25 ans, les prédateurs, les pédophiles, puissent violer même des enfants? Comme au Gabon, cet homme de 36 ans qui a violé une fille de 6 mois, un bébé de 6 mois. 36 ans il avait. Vous avez vu? Voilà l'homme. L'homme est terrible.
Quand on entend des histoires, des enfants qui disparaissent, comme ce couple d'Anglais qui prennent leur fille de quoi, 8 ans, 9 ans, ils partent en vacances au Portugal et cet enfant de 8 ans se fait enlever. Certainement violé et tué. Voilà l'homme, les prédateurs, l'homme est terrible. C'est pour cela que les Écritures nous disent, Dieu dans les Écritures dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Il est dit dans Jean, chapitre 2, que beaucoup de gens étaient touchés par l'enseignement du Seigneur Yeshua. Mais Jésus ne se fiait pas à eux. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de l'homme, sur l'homme. Parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Mais qu'est-ce qui est dans l'homme? Vous me direz, les démons, tout ça. Oui, mais à part les démons, c'est l'âme. Dis à ton voisin, l'âme. L'âme, l'âme terrible. Le siège des émotions, l'âme. Ton âme est-elle guérie ou pas? Quelqu'un à qui on a toujours dit, tu es moche, tu es moche, tu es moche. Hein? Cette personne-là, en grandissant. Pas forcément, hein? Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, elle va vouloir changer son apparence physique. Bah oui. Ça peut aller loin, même jusqu'à la chirurgie esthétique. Bah oui. Parce que toute sa vie, elle a entendu, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Eh bien, toutes ces paroles qu'elle a entendues ont façonné son caractère. Voilà pourquoi vous allez voir des femmes ou des hommes habillés bizarrement, sexy. Il ne faut pas tout de suite les condamner. Il faudrait chercher à savoir pourquoi ces personnes se comportent-elles comme ça? C'est suite à des blessures. Ben oui. Le cœur de l'homme. Pourquoi les gens font tous ces maquillages, tout ça à outrance? Il y a des blessures cachées. Des paroles entendues, des gens qui ont été violés, qui ont subi des attouchements sexuels, des gens qui ont été abandonnés par leur père, leur mère. Des gens qui ont vu leur père méchant, tapant sur leur mère, insultant leur mère. Toutes ces violences-là dans les familles ont façonné les cœurs des gens. Pourquoi beaucoup de jeunes tombent-ils dans la délinquance, dans la drogue? Ah, l'âme. L'âme. Alléluia. On ne donne que ce que l'on a, ce que tu as reçu comme éducation de tes parents, les paroles que tu as entendues, tout ce que tu as vécu comme souffrance, comme misère, toutes ces choses-là t'ont façonné. Tu es le résultat de l'éducation de ta famille, de ta culture. Alors David dira justement, ne vous confiez pas aux hommes. C'est-à-dire, ne vous mettez pas sous la protection des hommes. Parce que l'homme peut te supporter aujourd'hui, demain, ah ben, il va te lâcher. L'homme est comme ça. L'homme peut te dire qu'il t'aime, même ton mari. Un an après ton décès, il va prendre une autre femme. Je vous dis. Il va pleurer, mais c'est fini. Il va prendre une autre femme, il va peut-être l'aimer encore plus que toi. Alléluia! Qui a déjà été déçu par les hommes? Alors, les autres, vous n'êtes pas terrestres alors, hein? Ah ben, gloire à Dieu pour vous, hein? Amen! Les blessures. Les blessures. Ton caractère est le résultat de quelque chose, la conséquence de quelque chose. Ne vous confiez pas dans les grands, dans les nobles. Oui, parce que parfois on a tendance à se confier aux grands de ce monde. L'homme t'élève, il va t'encenser parce que tu lui donnes à manger. Mais le jour où tu n'auras plus rien,
l'homme. Il va te dire qu'il t'aime parce que tu as des beaux yeux. Mais si un jour tu as des problèmes de vue et que tu portes des grosses. Voyez les gros verres là. Ah! Il voit des yeux énormes comme ça là. Dis à ton voisin l'homme. Ah ah. Voilà pourquoi quand tu prends du poids, ton mari de chéri, il faut diminuer un peu là. Il faut un peu. Vous voyez, parce qu'il se rend compte que l'amour commence à partir avec la grosseur. L'homme est comme ça. Tiens, ton voisin, l'homme est dangereux. Aujourd'hui, pourquoi il y en a, ils sont obligés de faire du lifting, tout ça, parce qu'ils se rendent compte que l'amour part avec l'âge. Ben oui. Aujourd'hui, tu es comme une fleur, non? Un enfant, ça va. Deux, trois, ah. T'es plus comme avant. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. J'ai vu des femmes dire à leur mari, hey, perdez du ventre là, chérie, parce que là, ben oui, avant, c'était le ventre plat. Et puis d'un seul coup, ça commence à sortir. C'est une montagne. Seigneur, sauve-nous. Dis à ton voisin, Dieu, sauve-nous. Alléluia. Qui a peur de l'homme? Moi, j'ai peur de l'homme. L'homme? Ah non. L'homme? Tu lui confies un secret. Il parle encore, oh, c'est pas mal ça. Ah, je fais ci, je fais. Oh, c'est terrible, ça confie encore. Va encore, va encore. Il note tout. À peine qu'il sort de là, là, il prend son téléphone. Ta 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 ta, ta. Skype, ta. WhatsApp, ta. Vous avez vu, non? L'homme. Et puis, écoutez, vous allez vous confier dans les hommes qui sont déjà morts, ils sont dans leur tombe. Ils sont morts. On dit, non, moi j'invoque Marie. Marie est morte, il faut la laisser tranquille. Hein? Non, moi, je tel prophète, frère, je vous dis une chose. David a dit quoi? Il faut se confier en qui? Dieu ne déçoit personne. Mais quel Dieu? Parce que les hindous, ils en ont combien déjà là? 3 millions. Hein? Donc, il y a des prières qui partent dans toutes les directions. Là. Plus de 3 millions de directions. Bon, être bouddha, ben, bouddhiste, tout ça, là, ça c'est, on va prendre un bout de bois, hein, tac, 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 avec une tronçonneuse. Si, il fait quoi là? Ben, il dessine un homme. Il fabrique un visage. Tac, un nez. Tac, les yeux. Ben, il ne voit pas. Et puis... de l'encens. Alléluia. Amen. Seigneur, sauve-nous. Laissez-moi parler, je finis bientôt. Ne me suis pas non plus. Moi-même, je cherche à me sauver. Hein? Alléluia. Amen. L'homme. 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 Ils ont suivi les prophètes hier, ils sont déçus, non? Les prophètes sont morts. Ah ouais? L'homme. Ma soeur, toi tu es amoureuse. Je parle à une femme amoureuse ici aujourd'hui. Tu es tellement amoureuse que tu ne jures que par l'homme de ta vie. Puis tu vas t'apercevoir qu'un jour, l'homme, là, vers 23h, hein, il sort toute la journée, il te dit qu'il part au boulot. 23h, il sort sur la plante des pieds comme ça, là. Dis chérie, mais t'es rentré à 19h, on a mangé ensemble. Mais pourquoi tu vas où comme ça là? Non, mais en fait, je voulais faire un tour quelque part pour reprendre un peu l'air. Non, c'est pas pour prendre l'air. C'est qu'il y a Elisabeth en bas. Alléluia! Amen. On va te dire, tu peux en avoir quatre. Non, frère, non, non, moi je te parle du Dieu qui a dit qu'il y a un homme pour une femme. Il n'a pas dit qu'il n'est pas bon que les hommes soient seuls. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce Dieu, vous le connaissez, il s'appelle comment? Jésus. Je n'ai pas entendu bien comme il faut. Jésus. Je n'ai pas bien entendu, frère. Jésus. Jésus est... C'est toi, hein? Amen. C'est toi. Amen. Gloire à Dieu. Ah ben, c'est magnifique, ça. Vous savez, ça m'a coupé dans mon élan comme ça, là. C'est... Elle est amoureuse. Elle est amoureuse du Seigneur. Jésus, voilà le Dieu en qui tu peux te confier. Jésus ne déçoit personne.
Je vous dis, qui est amoureux du Seigneur ici? Jésus. Il est le Dieu des dieux. C'est-à-dire, Bouddha, là, il sait qui est Jésus. Les divinités hindoues, tout ça, là, savent qui est Jésus. Parce que, frère, Jésus. Je finis avec Jésus. Jésus. Jésus, comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Il est beau. Dis à toi, il est beau. Il y a pas de, ici, il n'y a pas de beauté. Ma soeur, tu penses que tu es belle? Laisse tomber. Tu n'es que de la poussière. T'es que poussière. Dis à toi, de la poussière. Oh, les yeux bleus. Les yeux bleus, les yeux verts, les yeux noirs, marron, chocolat. Je ne sais pas quoi, orange. Tout ce que tu veux. Si tu meurs, là, 3 mois après, tes yeux, fini. Tes beaux cheveux, là, ah, elle est blonde. Ah, tout ça, là. Hein, elle est blonde comme certaines femmes africaines, elles sont blondes. Vous le regardez par derrière, elles sont blondes. Vous dites, ah, c'est une française. Quand elles se retournent, elles sont noires. Alléluia! Seigneur, sauve-nous! On acclame Jésus, c'est pas moi, on acclame Jésus. Bon, qui veut rencontrer Jésus? Qui veut le voir? Qui veut le connaître? Oui, je sais qu'ici, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont en chasse. Hein? Les hommes également, là, ils partent à la chasse. Là. Il y a la réunion de la jeunesse, on y va parce que j'ai vu une sœur là-bas, là, tout ça, là, vraiment, là, celle-là, là. Seigneur, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, celle-là, là, c'est. Vous ne pouvez plus nous tromper comme avant. Ah, on sait. La sœur, elle est zélée. Mais vérifie. Il y a le frère Jacques qui est à côté. Moi, je sais. Mais mes enfants, il y a des gens, ils ont des plans, il y a des gens qui ont des projets. Alléluia! Tiens, ton voisin, il y a des projets. Hein? Tu vois une sœur assise quelque part là-bas, là, ça regarde de loin. Hein? Pourquoi elle est toujours au fond là-bas? Elle est parce qu'elle veut avoir une vue d'ensemble. Hein? Une vue d'ensemble, tout ça. Là. Frère, sauve-nous. La jeunesse, là, elle peut être dangereuse. Hein? La dernière fois, avant-hier, je suis allé voir une sœur, elle était assise au fond là-bas. Je dis, pourquoi tu es assise ici, là, tout ça? Il y a des places vides encore. Elle dit, non, je préfère rester ici. Je dis, ok, je comprends. Comme disent les Ivoiriens, il comprend. Alléluia! Seigneur, sauve-nous. Ouh, Seigneur. Pour finir, je voudrais vous dire ceci. Pendant des années, je me suis confié aux hommes. Quand on me parlait des chrétiens, je m'ouvrais facilement. J'ai eu beaucoup de gens autour de moi à l'époque, que j'ai formé grâce au Seigneur, qui étaient reconnus prophètes, pasteurs, apôtres, docteurs, tout ce que vous voulez, dirigeants de grandes assemblées. Et je faisais confiance à tout ce monde aveuglement. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer que quelqu'un qui se sert de la Bible, qui prêche la parole, soit capable de faire la cour à une jeune femme. Je ne pouvais pas m'imaginer que quelqu'un qui prêche la parole, l'évangile, puisse par la suite prendre l'argent du Seigneur, s'en servir pour ses propres désirs. Je ne pouvais pas m'imaginer que quelqu'un qui chante pour le Seigneur puisse aussitôt, n'est-ce pas, draguer les hommes. Non. Vous savez, si vous ne pensez pas mal, si vous n'avez pas d'ambition charnelle, si vous n'êtes pas tordu, vous pouvez facilement penser que tout le monde est comme vous. Mais non, c'est souvent l'erreur que l'on commet. Et vous avez suivi le témoignage de cette sœur. C'était hier, non? Elle s'est convertie ici, il y a 3 ans. Elle a fait confiance aux hommes. Et elle est tombée enceinte et elle a le VIH.
Et quand elle appelle le monsieur qui l'a mise enceinte, le monsieur lui dit, non, toi et ton enfant, débrouillez-vous. Allez. Vous voyez ? Voilà l'homme. Et c'est pour cela que les telles femmes, il faut les encourager. Il ne faut pas les condamner. L'homme est terrible. Si quelqu'un vient te voir, ma sœur, pour te proposer le mariage, prie d'abord le Seigneur. Prends le temps. Consulte Dieu. Ça, c'est un conseil. Un jeune homme vient te voir, va voir le Seigneur. Jeune homme, c'est pareil, toi, pareil. J'ai vu des frères qui avaient un appel du Seigneur sur leur vie. Et faire facilement confiance à des femmes qui n'étaient pas du tout du Seigneur et qui les ont complètement détruits. Et un jour, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a clairement dit, sépare-toi de tous ces gens-là. C'était dur. Et heureusement, je l'ai fait. Parce que grâce au Seigneur, on voit les fruits aujourd'hui. Heureusement. Heureusement. Depuis, on voit les fruits. Les gens vont venir. Ah, nous avons la même vision que toi. Nous sommes touchés par ton message que tu prêches, l'évangile que tu prêches. Et facilement, on va faire confiance. À l'époque, hein. Tiens, viens. Ah ben tiens, on implante une assemblée là-bas. Eh ben tu peux la diriger. Eh ben, le pasteur en question, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à draguer les jeunes femmes. Moi, je vois. Chez nous, on a connu beaucoup de choses. Des pasteurs qui allaient de maison en maison pour demander les numéros de téléphone de jeunes filles. Pour faire quoi avec? L'homme. J'ai vu des gens qui disaient, ah ben tiens, l'argent les offrandes qu'on a reçues là, toutes ces cotisations qu'on a faites, eh ben, il faudrait qu'on se les partage. Et comment ça? L'homme. Vous avez un appel du Seigneur sur vous? Vous dirigez une assemblée? Faites attention aux personnes avec lesquelles vous collaborez. Les gens qui viennent nouvellement, oh non, on va collaborer ensemble, on va travailler. Consultez Dieu. Demandez au Seigneur sa volonté. Ne vous précipitez pas. Pareil, vous voulez héberger des gens chez vous, consultez le Seigneur d'abord. Demandez sa volonté. L'homme. J'ai vu des couples être détruits parce qu'ils ont hébergé une personne sans demander la permission au Seigneur, sans exiger, n'est-ce pas, sans demander au Seigneur de leur montrer l'état d'âme de la personne. Et je voudrais dire à ceux et à celles qui n'ont pas encore fait une expérience avec le Seigneur Yeshua, avec Jésus, aucune religion ne vous sauvera. Aucune. La religion, c'est l'homme qui l'a mise en place. La religion te dit qu'il faut faire un certain nombre de choses avant d'être sauvé, pour être sauvé. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut prier dans telle direction. Et ceux qui n'ont pas, mes amis, le sens d'orientation, ils font comment? La religion nous impose tout un tas de choses qu'il faut faire. Il faut prier 10 fois par jour, 20 fois par jour. Et si vous êtes malade, vous faites comment? La religion vous dit qu'il faut absolument des cathédrales, des bâtiments, des lieux de culte, des réunions. Mais Jésus, le Dieu en qui nous pouvons nous confier, auprès de qui nous pouvons véritablement nous réfugier, Jésus dit, venez à moi. Il a lancé l'appel à tout le monde. Venez. Venez à Jésus. Et je vous donnerai du repos. Il vous appelle. Il nous appelle. Il nous invite. L'invitation est lancée à tout le monde. Venez. Et vous savez, dans le grec ici, le verbe venir est au présent continu. C'est-à-dire, même toi qui es converti, même toi qui annonces la parole, tous les jours, tu dois aller vers le Seigneur. C'est une marche de tous les jours. Parce que tous les jours, Satan veut te faire tomber. Tous les jours, l'ennemi te met la pression par rapport aux femmes, par rapport au sexe, par rapport à la déception, les critiques, les paroles dures des hommes. Tous les jours, il y a une pression qui s'exerce sur toi pour que tu abandonnes. Tous les jours.
les mauvaises nouvelles, la pression au sein de la famille, auprès des amis, à l'école, partout, tous les jours. Et tous les jours, Jésus te dit, viens à moi. Ne sois pas satisfait de ta vie chrétienne aujourd'hui, sinon tu vas tomber dans l'orgueil. Ne sois pas satisfait des exploits que tu as faits dans le Seigneur. Une fois que j'ai fini la révision de la Bible, il fallait d'autres défis. D'autres défis. Et un des défis que Dieu me demande à relever aujourd'hui, c'est la construction des écoles chrétiennes dans toute l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose qui me taraude l'esprit. Ne sois jamais, je parle à quelqu'un forcément, content de ce que tu as déjà réalisé. Non, on n'a encore rien fait. Parce que le Seigneur dit, viens, Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas un bâtiment, Jésus n'est pas une cathédrale, Jésus n'est pas une soutane, Jésus n'est pas, mes amis, un voile. Jésus, ce n'est pas tout ça. Jésus est la vie. C'est la rencontre avec la vie. Tous les jours, il veut que tu viennes à lui. Tous les jours. Tu as reçu le parler en langue, gloire à Dieu, mais ne t'arrête pas dessus. Tu as reçu le don de guérison, gloire à Dieu, mais ne t'arrête pas dessus. Continue. Nous sommes, nous chrétiens, des creuseurs. Nous creusons pour avoir l'eau. Nous sommes appelés à avoir une intimité personnelle avec Dieu. Tu peux ne pas être membre d'une église. Tu peux ne pas être dans un bâtiment d'église, frère, sœur, mais être dans le royaume de Dieu parce que tu es connecté, alléluia, au ciel. Tu es connecté à Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et si tu es connecté, quoi que les gens disent, tu porteras des fruits. Tu vois, non? Ce n'est pas une question d'âge. Ça, je le dis souvent. Tu peux être, c'est même pas une question de sexe. Tu peux être une jeune femme et accomplir grâce au Seigneur des grands exploits dans le royaume de Dieu parce que tu es connecté. Alléluia. Tu peux être une femme très belle et ne pas tomber dans, n'est-ce pas, le péché sexuel parce que tu es connecté. Parce que tous les jours, tu vas vers le Seigneur. Tous les jours, chaque matin, Seigneur, me voici. Me voici. J'en suis à mon 15e ou 16e livre, mais je ne suis pas satisfait. J'ai au moins 5 autres livres qui doivent sortir. Il y en a un que je viens de terminer là, sur la Trinité. La Trinité, hein, est-elle une doctrine biblique? Tout ça là. Je ne suis pas satisfait, mais il faut encore un autre livre. Je peux en écrire 2 ou 3, 4 en même temps. Tu vas là. Tu n'es pas satisfait. Ce n'est pas de l'activisme. C'est parce que tous les jours, tu vas vers le Seigneur. Tous les jours, Seigneur, me voici. Me voici. On a acheté là-bas, le roi à côté, grâce au Seigneur, grâce à vos dons, 220 000 et quelques. Mais ce n'est pas fini. On achète ce locaux encore. Tout ça là, on en est à quoi? 196 000 euros. Et c'est pas, c'est, il ne reste pas grand-chose. Frère, il faut être visionnaire. Celui qui est connecté au Seigneur est un visionnaire. Alléluia. Une jeune femme connectée au ciel est une visionnaire. Même si c'est Brad Pitt qui vient pour lui faire la cour, elle dira jamais oui. Parce qu'elle a rencontré l'amour. Jésus a des beaux yeux. Dis à ton voisin, il a des beaux yeux. Jésus est beau. Vous voyez là-bas, ils sont dehors. Ils ont direct, ils vont se convertir à côté. Là. Je vous dis, il y en a des gens qui sont touchés. Demande, je vois ou pas là. Nous avons reçu le nom. Je ne dirai pas un nom. Le nom. Alléluia. Ah, c'est Jésus qu'on acclame, oui. Jésus. Ah. Amen. Alléluia. Ça attire. Je vous dis. Dis à ton voisin, il se passe des choses. Dieu est le Dieu de défis.
Il cherche des hommes et des femmes qui vont être transformés en guerriers. Il y a jeune et jeune. Il y a homme et homme. Alléluia. J'ai prié mes genoux, j'ai dit, Seigneur, je veux continuer dans ton message. Je ne veux pas prendre ton argent, toucher aux femmes, et je veux voir ta gloire. Jésus aime ça. Frère, quand c'est comme ça, là, la puissance de Dieu te saisit. Et là, les œuvres. Les œuvres. Et aujourd'hui, grâce au Seigneur, chaque mois, on envoie plus de 10 000 euros aux orphelins, aux veuves, dans le monde entier. En Colombie, au Mexique, en Afrique, partout. Grâce à Jésus. Alléluia! Grâce à Jésus! On peut l'acclamer, oui, il le mérite. Waouh, Seigneur! Seigneur, mon Dieu! On a lancé le projet d'achat de ce locaux. On a dit aux frères et sœurs que chacun fasse comme il veut, librement. Frère, des dons commencent à... Actuellement, là, ça tombe de partout. Des gens qui appellent de Saint-Martin. Tac, on a envoyé tant. Ce matin, quand David m'appelle, tout ça, il me dit, on a reçu encore 2000 euros de la Guadeloupe. Je dis, Seigneur, ça tombe. Il dit, rien que le mois dernier, la juillet, là, on a eu plus de 20 000 euros de dons par rapport à l'achat. Ça continue. Et je vous dis, je me dis, David, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je vais ouvrir la boîte aux lettres, des chèques qui débarquent comme ça. Comme des pluies, une pluie. Jésus, il est trop... Il est dangereux. Et vous voulez que je le laisse pour être religieux? Ils se sont... Aïe, nous sommes sur le mont Carmel. Quand tes ennemis croient que tu es fini, c'est là que tu commences. Alléluia! Quand tu sens mauvais, c'est là que le parfum de Jésus devient effectif pour toi. Jésus. Non. Et je vois des frères et sœurs qui viennent. Moi, je n'ai pas de transport. Je dis, tiens, transport, grâce à Jésus. Moi, je n'ai pas à manger. Tiens, manger pour, grâce à Jésus. Jésus, il nourrit les gens. Vous avez déjà vu Jésus? Il te guérit si tu es malade. Il te nourrit avec la parole. Et si tu n'as pas à manger, il te donne à manger. Et il te donne l'intelligence pour entreprendre. Jésus! Non! Il est plus fort que moi. Il a des cheveux terribles. Quand il fait ça, mon Dieu! Alléluia! Dis à ton voisin, il est trop fort! Dis à ton voisin, je kiffe Jésus! Dis-le, je le kiffe! Jésus? Non. Il me surprend. Parfois, je suis là, je dis, Seigneur, regarde, je suis fatigué. Il y a trop de choses, trop d'attaques. Il dit, garde le silence. Parfois, il ne me répond pas comme ça. Hein. Parfois, je dis, mais il ne me parle plus. Les gens pensent que moi, je vis au sel tout le temps. Quand il t'aurait dit, non, frère, non, je ne suis pas idolâtre. Je suis comme toi. Dis à ton voisin, il est comme toi. Ben oui. Parfois, je prie, je dis, Seigneur, il ne me répond pas. Il ne me répond pas. Parfois, je suis en colère, je dis, mais moi, je souffre pour lui, et puis il me laisse en galère, je ne sens même plus rien, tout ça. Les gens, ils te voient, ils pensent que tu es rempli comme je ne sais pas quoi, là. Je pleure parfois plus que toi. Ben oui. Parfois, je suis là, je dis, je vais jeûner, je commence un jour, deux jours, j'arrête, je suis fatigué. Je vais manger, je dis, je suis fatigué, je mange. Il ne me voit même plus. Et puis après, tu te dis, bon, une fois que tu as fini de manger, tu dis, tu as mal au ventre après. Et puis tu te dis, bon, je vais faire quoi? Faire marche arrière, les démons que j'ai chassés là. Ah non, 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 je ne veux pas de serpent à moi là. Seigneur, sauve-moi! Jésus, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera! 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 Parfois, je suis là, je dis, bon, Seigneur, cette semaine, si tu ne me parles pas, moi, j'arrête tout. Et puis, tu dors, au lieu qu'il te parle, tu reçois des attaques.
Tu te réveilles, tu es en colère. Mais tu n'oses pas trop parler parce que tu as quand même le saint respect là. Et puis tu entends que tu sens quand même qu'il te regarde. Hein. Tu dis, bon, je fais comment là? Si je fais seulement ça, tous mes détracteurs savent, ils sont là, ils me regardent. Et ils vont dire, non, on savait qu'il était comme ça. Alors je me dis, je ne vais pas leur donner l'occasion de parler. Tu n'as pas le choix. Je ne suis pas plus fort que toi, mon frère. Parfois, je vais devant lui. Je regarde à droite, à gauche, il n'y a personne. J'en peux plus. J'en ai marre, Seigneur. Et puis, même, tu sens son amour qui vient comme ça. Et tu sens, je t'aime. Et quand c'est comme ça, tac, David t'appelle. Hey, tu sais qu'on a reçu 3 000 euros. Ah bon? Ah! Donc il ne m'a pas lâché, quoi. Il est toujours là en train de soutenir son œuvre. Oh mon Dieu. Tac, un coup de fil. Hey, tu sais qu'il y a une sœur qui est venue confesser son péché. Ah bon? Aïe, 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 Seigneur. Cette sœur qui veut se convertir, si j'arrête la foi chrétienne, alors elle va finir comment? Oh Seigneur, mon Dieu. Jésus? Non. Depuis que je le sers, il ne m'a jamais déçu. Je sais que beaucoup pouvaient venir ici et regarder les vidéos à gauche, à droite, hein, les tai chi, machin, tout ça, là. Hein, on m'a fait faire du tai chi. Je sais qu'en venant ici, il y en a qui avaient des doutes. Hein. Ouh, quand même, là. D'autres même avaient disparu. Bon, on ne sait jamais. Mais Dieu, j'entends parfois quelqu'un qui m'appelle, qui dit, frère, j'ai reçu un songe sur toi, Dieu m'a parlé de toi. Dieu m'a dit que tu es son serviteur. Ah, Seigneur, il parle encore aux gens encore. Seigneur, merci. Il témoigne de toi. Alors ne baisse plus les bras. Si tu es tombé, ne laisse pas Satan te condamner. Le sang de Yeshua a coulé à la croix pour effacer tous tes péchés. Alors je veux dire à quelqu'un ici, comme cette femme de Jean 8 qui était condamnée, cette femme qui était dans l'adultère, le Seigneur dit que c'est lui qui n'a jamais péché. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la pierre, le premier. Personne ne doit te condamner. Confie-toi en Dieu. Fais-lui confiance. Oui, tu as péché. Oui, tu as mal agi. Oui, tu as fait des choses, il y a des conséquences. Mais ne laisse pas ton passé te détruire. Non. Si Dieu voulait finir avec toi, il t'aurait tué. Mais s'il t'a laissé en vie, c'est parce qu'il y a encore un avenir. Jésus est le même hier, aujourd'hui. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Tout est possible à celui qui le croit. Jesus. Et qui veut prendre son baptême aujourd'hui? Viens, mon frère, on acclame le Seigneur. Qui d'autre? Alléluia! Qui d'autre? Qui veut recevoir son baptême? Recevoir Jésus dans son cœur? Il n'y a pas de honte à voir. Jésus est la vie éternelle. Il est la vie. Il est la vie. Le Seigneur est bon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Wow. Seigneur, c'est magnifique. Magnifique, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci. Qui veut abandonner un péché? Jojo, amène le baptême. Gloire à Dieu. Waouh, Dieu l'aime. Dieu t'aime beaucoup. Mon Dieu, Seigneur, merci. Il vient de très loin, notre frère. Il a subi une grosse opération. Il était presque mort. Et le Seigneur l'a ramené à la vie pour pouvoir le servir après. Waouh, Seigneur, merci. Waouh, tu es magnifique, Seigneur. Magnifique. Magnifique. Vous savez, parfois, je prends mon piano à la maison, comme Dieu m'a offert un piano comme ça. Je veux jouer, je veux le louer avec ma voix cassée là, avec... Waouh! Vous l'aimez, non? Waouh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur.
Qui se sent condamné? Eh bien, Dieu ne condamne personne. Personne. Tout si, en fait. To see your face, and all of your glory, oh, to know your ways, and all of your beauty. This is my cry, oh, to see your face, oh, and all of your beauty, oh, oh, to know your grace. Why, Lord, my heart desires, oh Lord, to see your face, to know your ways. This is my cry. This is my cry, oh Lord, my heart desires, oh Lord, to see your face, to know your ways. This is my cry. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon.